Il n'y aurait pas moyen de trouver du boulot en rapport avec ce que j'aime? On pourrait pas se faire du fric à chaque fois que je prépare mon tournage? Comme ça, on pourrait continuer de tourner toute notre vie. Enfin, me voilà en train de parler comme un adolescent. Merde. Je suis un adulte, hein. Je me dois d'arrêter de rêver. Aujourd'hui, la critique de Bakuon Reto. Bakuon Reto est un manga de Tsutomu Takahashi, dont je vous avais déjà parlé pour un live, et auteur des excellents Sky Height, Sido et Blue Heaven, publié chez Afternoon de Kodansha au Japon et Kana en France. L'œuvre est disponible en 18 tomes. On nous raconte la genèse, dans les années 80, d'un jeune lycéen, Takashi, qui va se passionner pour les rassemblements de motards, les Bosozuku. Il deviendra un même membre du gang des héros et se laissera traîner dans cette nouvelle vie envers et contre tout. L'œuvre se veut être une sorte d'autobiographie réadaptée de la jeunesse de l'auteur. Pas de grande folie à la GTO ou Rokudenashi Blues. Le style dramatique de Takahashi et surtout la justesse de ton permet de se prendre rapidement sur cette énième histoire de voyou qui va s'avérer être une véritable tranche de vie qui va permettre à Takashi, notre protagoniste, de se découvrir. Pas sexuellement, hein, mais mentalement, hein, j'entends bien. Ouais, fais style que t'as pas compris. Je te capte, tu vois. Cru et sans tabou, nous suivons cette jeunesse paumée, perdue, et ne trouvant refuge qu'à travers l'appartenance à la bande et ses courses moto, faisant d'eux un groupe de soutien, qui passe le temps à travers, au final, une certaine futilité qui ne les mène à rien, mais qui comble le vide moral et affectif. À travers cette passion, des amitiés ou amourettes vont naître, une confiance s'établir, se créer, des traîtrises vont se faire, des haines s'établir, leur vie va enfin pouvoir s'exprimer à travers le sphère des émotions, et ce, sans ajout superficiel et avec réalisme. Rien d'impressionnant, l'histoire souffle sa puissance à travers ses dialogues, et grâce au recul qu'a pris l'auteur, face à sa crise d'adolescence, rejetant les formes sociales à travers sa teinture, ses fugues et le patriarcat japonais qui l'étouffait. Ah putain, je déteste utiliser le mot patriarcat, on dirait un social justice warrior qui fait sa crise d'adolescence, et j'en ai marre que ces connards ont dénaturé pas mal de mots qui existent de nos jours. Tel un journal de bord conçu à travers un dessin à la plume, style aquarelle, style propre à Takahashi, on poursuit et suit nombre d'anecdotes avec des personnages qui disparaîtront aussi vite qu'ils sont arrivés, menant finalement parfois à rien. La parution chaotique montrant que l'auteur se cherchait et essayait de se remémorer ses souvenirs et de donner un appui, un fond à cette raison d'être encore, même à l'âge adulte, avant de se douter de ce qu'il voulait. À travers les paroles d'une grand-mère qui ne juge via l'aspect, son message va le traverser comme une révélation et l'éveiller. Jamais on ne te volera ton avenir, alors tu peux avoir des aspirations élevées, crois-moi. À travers ce récit de quotidien, avec certains jeunes ne voulant pas assumer leur futur et ne croyant plus en leur avenir, Takashi lui convient de garder cette liberté qui le nourrit pour se donner libre à se forger son avenir en assumant le réalisme de notre monde. Il est encore jeune et peut s'offrir son monde, celui qui dictera son avenir et le permettra de vivre avec le feu sacré. Alors lisez Bakuon Reto, ce récit magique et enthousiasmant, car comme ça il arrêtera d'être un manga méconnu, et moi je sais ce que je dois faire. J'ai compris ce que j'aime faire, créer, toujours créer, que cela soit de la BD, des émissions ou des films, j'ai besoin de relever des défis artistiques et suivre une évolution logique. Après avoir tant créé, il me manque encore un saint graal à atteindre, le long métrage. Cette vision du ciel, c'est mon avenir. Je suis lancé depuis des mois sur mon long métrage et le finaliser pour enfin atteindre une apogée dans ma vie artistique, là où j'aimerais laisser une trace dans l'art. Vivement que je réalise un autre de mes rêves, car je crois en chacun, nous sommes capables d'aimer ce que l'on fait. Alors créons !